mes chers amis, je suis super contente. Je rentre de Ouagadougou, je suis partie au Burkina Faso pour le projet du défilé de la Biennale de la danse 2020 porté par la compagnie Kadia Faro et c'était juste génial. J'ai rencontré des artistes magnifiques par le biais de mon ami Karim qui va être chorégraphe à mes côtés dans cette belle aventure pour 2020. Et du coup, j'ai rencontré des danseurs, des musiciens, des chanteuses fantastiques. Et j'espère vraiment qu'on va travailler ensemble, en tout cas c'est mon vœu le plus cher, de venir aussi pour participer au festival du Sido et de travailler ensemble, tous ensemble avec les danseurs de Lyon, de la compagnie Kadia Faro, avec vous autres et Irène, pour créer de magnifiques pièces et partager tout l'amour qu'on a pour la danse et cette passion d'être ensemble, de partager ensemble. Voilà. Quand t'es là, et 1, 2, chauffe là. Et donc j'ai pu mener un atelier de danse hip-hop pour pouvoir rencontrer les danseurs qui avaient plutôt une formation de danse afro-contemporaine. Et ma foi, ben, c'était juste génial. Les corps étaient disponibles et disposés à travailler d'autres techniques et un autre univers artistique que le leur. Donc j'ai pu aussi, par ailleurs, avoir la grande surprise d'avoir pas mal de spectateurs. Donc on avait plein d'enfants, plein de petits bouts de choux qui étaient curieux, qui étaient présents, sous la chaleur écrasante, parce que c'est toujours du 38-40. Alors c'est vrai qu'on a vraiment transpiré pour le coup. Mais du coup, ils ont participé, on a dansé. On a partagé plein de choses à travers la danse, à travers la joie d'être ensemble et la bienveillance. Hello, my name is Kadia and Karim Kolaté, en pleine préparation de la Biennale de la danse pour 2020. Voilà. Là, on est au Burkina Faso. Et on compte sur vous, les amis. Et on compte sur vous. Je vais vous faire partager la culture des Burkinabés à travers le projet Yenenga du défilé de la Biennale de la danse 2020 porté par la compagnie Kadia Faro.